Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais juste vous dire, avant de me présenter, d'expliquer tout, que je ne suis pas habillée en ballerine, malheureusement, parce que j'ai pas eu le temps, je reviens de quelque part. Donc, mais les prochaines fois, ne vous inquiétez pas, je vais être habillée en ballerine. Donc, aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Camille Rondeau, et c'est moi qui vais enseigner le ballet niveau 1. Donc aujourd'hui, dans toute la série des cours, j'espère qu'on va avoir du fun, j'espère qu'on va s'amuser, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses avec grâce et élégance. Et je vous souhaite de vous amuser, d'avoir du fun. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose de base, les 5 positions. Donc, vous êtes prêts? C'est parti! Donc, on va commencer par la première position. La première position, on se met comme ça, droit, et on ouvre nos pieds en écart, comme ça, bien. Et nos bras vont courber avec les mains comme ça, le pouce sorti et l'index sorti. Mais aujourd'hui, la première était facile, mais aujourd'hui, on va juste apprendre les pieds. Donc, je vais vous montrer la position 2. Donc, la position 2, dans le fond, nos pieds, ils sont encore élargis. Et on va juste prendre avec la jambe droite, l'avancer comme ça, pour que ce soit environ à nos hanches, comme ça. Et je peux vous apprendre les bras, là, c'est pas compliqué. Comme ça, avec encore les mains que je vous ai montrées. Voilà, comme ça. Et on a fait la position 2. Maintenant, passons à la position 3. La position 3, je vais juste vous montrer les pieds. Dans le fond, encore un pied en ouverture. L'autre pied va se rendre à la moitié du pied. Donc, on peut prendre une petite photo, mais ils ne sont pas pour bien remarquer. Donc, la droite, elle est ouverte en arrière. Et la gauche, désolée, j'ai joué dehors, fait que j'ai un peu de marque de saleté. Et la gauche, elle va être au milieu du pied. Donc, on prend une photo et on passe à la 4. Donc, la 4, elle est un peu plus compliquée. Dans le fond, on est en position 3. Voilà, on est en position 3 et on avance un peu. La largeur d'un pied environ, on avance notre pied. Voilà, position 3. Et les bras, je vais pas vous l'apprendre tout de suite. Donc, voilà, les bras, photo, on apprend et vous pouvez réviser à la maison avec vos parents et vos soeurs, vos frères, votre chien même. On passe à la 5e et dernière position. Donc, la 5e et dernière position, elle ressemble beaucoup à la 3e position. Donc, dans le fond, notre pied va être encore en ouverture, sauf que notre autre pied, au lieu d'être à la moitié du premier pied, il va aller aux orteils, comme ça. Et là, beaucoup de monde vont comme il faut vraiment que les pieds soient collés comme ça. Et non, c'est pas ça. Le talon va être collé aux orteils, comme ça. Et bien droit, comme ça, bien droit. Et voilà. Donc, j'espère que vous en avez bien appris, que vous allez les réviser à la maison. Oui, n'oubliez pas de les réviser à la maison. Et la semaine prochaine, on va les réviser vite, vite. Et la semaine prochaine, mardi prochain, on va apprendre les bras qui vont avec. Donc, c'était plus pour me présenter. C'est vraiment une courte vidéo, seulement 5 minutes. Donc, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous avez aimé ça et que vous voudriez continuer. Donc, on se revoit mardi prochain. Bye bye!